Bonjour et bienvenue à Jordan. Bonjour. YouTube sur internet. Également bienvenue à Natacha. Et bienvenue à OK Google. Dis bonjour. Salut. Yes. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve pour un petit épisode de Joke de Papa. Concept américain repris par des Québécois célèbres. Le lien de leur chaîne est dans la description. Valentin, Vodka Prod, a repris également le concept. Je ne voulais pas le faire, mais par mes gardes à la FNAC, j'ai trébuché comme ça. Et j'ai agrippé un Google Home. Et ma carte bancaire a volé. Et j'ai tapé le code. Et la caissière m'a donné l'objet. Et il se trouve que il a une fonctionnalité assez incroyable, cet objet. OK Google, raconte-nous une blague. Une blague, c'est parti. J'aurais pu devenir plombier, mais je n'ai pas eu les bons tuyaux. Voilà, vous avez compris pourquoi nous avons décidé, mesdames et messieurs, de faire un duel de blagues, l'un contre l'autre, mais aussi contre Google. Qui commence? Je suis l'invité, je trouve que c'est normal que l'autre commence. J'ai gagné déjà. Ah, c'était une blague? Non. Ok. Aïe. Maxime. Oui? Qu'est-ce qu'une fraise sur un cheval? Je ne sais pas. Une fraise tagada. Qu'est-ce que je pense? Ça commence par putain. Connard. Alors attends, tu sais qu'entre chaque van, on doit faire intervenir Google. Vas-y. OK Google, raconte-moi une blague. Vous voulez une blague? J'en ai une excellente pour vous. Deux asticots se retrouvent dans une pomme. Tiens, je ne savais pas que vous habitiez le quartier. Je pense que j'ai perdu, mais j'ai pas rigolé fortement quoi. Yes. Un noir va aux toilettes. Il en ressort blanc. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il a chié sa race. Elle est géniale. J'avais jamais entendu de ma vie. C'est ignoble, mec. Alors, je tiens à préciser, c'est très important, que toutes les blagues qu'on balance dans cette vidéo, c'est vous qui les avez écrites, parce que je vous ai demandé sur Instagram de nous envoyer les blagues. Donc totalement copyright les abonnés. Si vous avez déjà entendu des blagues chez Joke de Papa ou chez Valentin, c'est pas de notre faute, c'est de votre faute. OK Google, raconte-nous une blague. Un prisonnier qui rate son évasion. C'est un repris de justesse. Stable. Mon état est stable. En équilibre. Jordan? Oui. Sais-tu ce qu'on fait aux voleurs de salade? Je ne pense pas le savoir. Eh bien, sache qu'on les tue. Très bien. Je vois que tu ne mâches pas tes mots. Excellent. Je balance mes vannes comme un lance-roquette. Mec, j'ai balancé tous les types de salades en moment. Je voulais buter. Je me stabilise. C'était compliqué. Je suis désolé. OK Google, raconte-nous une blague. Pourquoi un pâtissier a-t-il besoin d'une photocopieuse pour faire les millefeuilles? Pas de soucis Google. Merci de ta participation Google. Quand tu veux. Maxime? Oui? C'est l'histoire d'un tétard qui pensait qu'il était tôt alors qu'il était tard. Je la connaissais celle-là. Excellent. OK Google, raconte-nous une blague. Comment un aspirateur peut-il mourir en mordant la poussière? Merci Google. C'est fin, merci Google. Je vois que j'ai besoin de mes notes. C'est mes abonnés, hein. C'est tous les commentaires de mes abonnés. Qu'est-ce qui est... Non. Bien essayé. Vraiment bien essayé. Tu rigoles tout seul. OK Google, raconte-nous une blague. Que font deux brosses à dents le 14 juillet? Un feu dentifrice. Mec, c'est rigolé ça. Elle était pas mal quand même, un feu d'antifrice. Dis donc Maxime. Oui? Pourquoi il n'y a plus de mammouth? Je sais pas. Parce qu'il n'y a plus de papoute. Très bien. J'enchaîne. Bonjour. Je suis désolé de vous couper. C'est une blague, il faut la faire. Vous êtes prêts? Est-ce que vous savez comment les dinosaures font des backflips? Non. Moi non plus, j'en ai jamais vu. Merci Valentin. À bientôt. C'était donc à Google Home. OK Google, raconte-nous une blague. Comment le poète a-t-il surmonté sa peur du vide? Il s'est empli de courage. Je crois que j'ai pas le niveau intellectuel pour comprendre la vanne. Non plus Jordan. Jordan, qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugles? Un festival de Cannes. Merci. OK Google, raconte-nous une blague. Que fait un étudiant en littérature dans le parc? Il attend Godot. J'ai pas compris du tout là. Moi non plus. Okay, qui est Godot? OK Google. Qui est Godot? Godot est probablement l'œuvre la plus célèbre du dramaturge irlandais et de nombreux livres et articles ont tenté de découvrir qui était Godot. L'une des tentatives d'explication récurrente est que Godot serait le mélange du mot anglais God et d'un suffixe français populaire OT. Godoté. D'accord. Ah OK. God. OK Google. Merci. L'établissement Merci est situé dans la rue 111 boulevard Beaumarchais, ta gueule. Paris, OK à Google. 266. OK Google, fils de pute. Fils de pute et ses équivalents fils de putain, enfant de putain, ta mère la pute, souvent utilisées comme insultes, elles sont relatives au tabou de la sexualité de la mère ainsi qu'aux enjeux de filiation. OK Google, chibre. Et là, c'est le bug. Heureusement. Oh, la définition de fils de pute était compliquée. Bonjour. Quelle est la différence entre un timbre et mes grosses couilles? Entre un quoi? Un timbre? Un timbre et mes grosses couilles.
Pourquoi tu souris déjà, Maxime? Je souris pas, mec. Ok, excuse-moi. Y'a pas besoin de lui chier mes grosses couilles pour qu'elle colle. Allez! Sur un tour de psychopathe! Ça va? Oui. Dieu dit à Casto de ramer et Casto rama. Mm-hmm. Ok, Google, raconte-nous une blague. Quelle tristesse, j'ai perdu mon chien. Eh bien, pourquoi vous ne mettez pas des affiches dans les rues? Bah, mon chien ne sait pas lire. Bien vu, Google. Et je n'y aurais pas pensé à celle-là. Excuse-moi, Maxime. Pas de problème, dis-moi. En toute amitié, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar et qui dit Salut, c'est moi! Et en fait, c'était pas lui. La vérité est là. C'était vraiment pas lui. Il est rentré. Ouais, elle est bien, elle est bien. Ok, Google, raconte-nous une blague. Maman, maman, ne m'attends pas ce soir. Pourquoi, Toto? Parce que je suis déjà là. On est sur le même... Non, mais c'est même pas une blague. Non, y'a pas d'histoire, y'a rien. Qu'est-ce qu'il y a? On l'a entendu le mec, elle est trop marrante. Y'a pas de blague. C'est trop marrant. Les mecs, ils arrivent morts de rire de 7 km. Les gars, on l'a entendu de là-bas. Ok, vous laissez votre cam. Vas-y. Laisse un peu de temps, parce qu'il faut bouffer les cams. Qu'est-ce qu'un boomerang qui ne revient pas? Je l'ai déjà. Tu l'as pas? Un chat mort. J'avais le bout de bois personnellement. Super, merci Valentin. Jordan ? Oui ? C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis une porte, puis une chaise, puis une table, et c'est tout. Je suis très déçu, c'était ma prochaine. Ok. Ok Google. Ok Google. Ok Google, peux-tu nous gêner ? Pardon Google, je bégaye. Et là, c'est le bug. Oui, j'ai compris. C'est pas très sympa de se foutre de ma gueule comme ça, mais... Ok Google, joue-nous un petit air africain. Ok, voici Yannick Noah sur Spotify. Ok Google, merci. L'établissement, merci, est situé dans la rue... Ok Google, stop. Maxime, qu'est-ce qu'un petit canif? C'est un petit fien. Un petit fien. J'ai compris, Jordan. Contrairement à Godot tout à l'heure que j'ai pas compris, je l'ai comprise. Et elle était marrante. Ah, je sais pas, j'ai toujours pas compris celle de Godot. Non, non, je parle du canif. Ah. Du petit fille. Alors, j'en ai une pour vous. Après, tu vas affronter Google, toi. Ah, c'est parti. Pourquoi l'enfant a-t-il fait tomber sa glace? Je ne le sais guère. Parce qu'il s'est fait renverser par un bus. C'est pas sympa pour le bus. C'est pas sympa pour l'enfant. Ok, Google, fais-nous rire. Qu'est-ce qu'un feu rouge, un feu vert qui a mûri? Rien. Je crois que quand je suis là-bas, les blagues sont plus drôles en fait. Ah non, y'en a qui a craqué ici. Trop drôle, putain les gars, elle était géniale celle-là. Dis donc, Maxime. Oui. On a maintenant un public. Ça va être vous avez le droit de rigoler, moi. Un petit peu plus de pression. Dis donc, les amis, je pense que si vous voyez un oiseau sur un lac, c'est un signe. Tout va bien, Mastu? Ça va, c'est super bien. Vraiment, je suis à l'aise. Ok, Google, fais-nous rire. Papa, papa, t'as des trous dans tes chaussettes? Non, Toto, pourquoi? Alors, comment t'as fait pour mettre tes pieds dedans? C'est pas une blague. Mec, ça partait hyper mal la vanne. Papa, papa. Je veux voir ta bite. Ok Maxime, fais nous rire. Vous voulez une blague? Oui. J'en ai une excellente. Jordan. Oui. Si tu prends un kiwi et une vache, ça fait une vache kiwi? Effectivement, c'est ce que ça fait. Une vache kiwi. Qui mourit. Dis donc, Maxime. Ouais. Comment m'appellerais moi si j'étais bisexuel et que j'étais de petite taille? Joby, Joba. Tu as inventé cette vanne? Oui, Maxime, Joby, Joba, comme la chanson des Gypsy Kings. Yes, yes. Ok, Google, fais-nous rire. J'ai 3 têtes, 14 bras et 3 orteils. Qui suis-je? Un menteur. Mais c'est incroyable! C'est trop nul, mon gars! Elle rigole pas depuis tout à l'heure, elle est sérieuse, elle lance ses blagues! Ok, Google, rigole, s'il te plaît! J'en ai une pour vous. Par quel moyen peut-on faire pleurer un plombier en tuant toute sa famille? Très bien. Voilà qui est sympathique. Eh bien, elle était très très bien. Reviens quand tu veux. Bah, j'y vais. J'écoute la dernière de Jordan, t'en as une? Ok, c'est l'histoire de deux riches et d'Hitler. Le premier riche, le deuxième riche, le troisième Reich. C'est dur pour lui. Oh oui, Jordan. Je dis oui. Je dis aussi ok, Google. Fais-nous rire. Pourquoi fait-il chaud dans un bus? Parce qu'il y a un chauffeur. C'est trop bien. C'est incroyable. On s'est fait déglinguer par Google, mais... Qu'est-ce qui fait beaucoup de bruit et qu'on peut connecter en Bluetooth? Une femme enceinte. Tu peux y aller. Vous pouvez disposer. T'as rigolé. Non, c'était pas un rire. T'as rigolé. C'était pas un rire. J'ai un rhume. J'ai un rhume, ça m'arrive.
Ok Google, est-ce que tu connais Master Batman? Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. Ok Google, qui est Amixem? Selon Wikipédia, Maxime Chabrou, connu sous le pseudonyme anagramme Amixem, né le 4 mars 1991 à Lyon en France, est un vidéaste français. Il mange des céréales le matin, il préfère les miel pops, j'habite chez lui. Voulez-vous voir son historique internet? Je peux... Vas-y. Attention, concentration. Eye contact. Qu'est-ce que dit un avocat à un autre avocat? Nous sommes tous les deux avocats. Yes! Ok Google, fais nourrir! Quelle syllabe rend les grenouilles intelligentes? Gre, parce que sinon, elles seraient nouilles. J'ai pas compris. J'ai cru que c'était un bug. C'est même pas une syllabe, gre. Si. Ah si. A-I-O-U. Ça n'a rien à voir. Bah, mais merde, je suis con, merde! Il bouche ou caillou? Je vois pas le. Mais où est donc un écart? J'ai toujours cru que c'était une légende. Enfin... Hier, Jordan, j'ai reçu un coup de téléphone et ça fait mal. Un coup de téléphone. Ok Google, peux-tu nous faire rire? J'adore les blagues un peu kitsch. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Une pastèque. Excellente celle-là, Google. Jordan, que chante un océan qui se vide? Non. Un siphon... Mais merde! Un siphon! Elle est sympa celle-là, j'ai bien aimé. Deux dernières blagues et une de Google. Tout se joue maintenant, mesdames et messieurs. Pour être honnête, je ne sais pas comment vous aider. On ne t'a rien demandé. Maxime. Oui? Pourquoi les Indiens à l'époque regardaient comme ça? Je ne sais pas, Jordan. Tout simplement parce que comme ça, ils ne verraient rien. Mec, c'est la meilleure de toutes. Elle est trop marrante. Porte l'eau, porte la vie, du ciel à ton chaud, le jour et la nuit. Ça compte comme une blague, je te la laisse. C'est parce qu'il y a Yannick Noah qui arrive comme ça en faisant un bisou sur le... Ok, c'est beaucoup trop pour moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Oh non, putain. Écoute, on fait un duel contre Google, on doit résister à 3 de ces vannes. Si on résiste, c'est bien. Les règles changent à chaque minute de vidéo. Excellent. Ok Google, raconte-nous une blague. Quel dommage, les gens lisent de moins en moins. Et comment le savez-vous? Je viens de l'écouter à la radio. Ok Google, raconte-nous une autre blague. Quel est le comble pour un agneau? C'est d'avoir une faim de loup. Parce que le loup, en général, mange l'agneau plutôt que l'inverse. C'est vrai que... Ok Google, raconte-nous une blague. Que ne faut-il jamais dire à un antiquaire? Alors, quoi de neuf? Un plaisir d'avoir collaboré avec vous. On a résisté à Google 3 fois d'affilée. On peut le dire, c'était compliqué. C'est de l'or. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en compagnie de YouTunes, votre chaprod et ainsi que Mastu. Je vous fais des bisous. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jordan, Yannick Noah. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Le bouton au milieu de l'écran permet de s'abonner à la chaîne de votre chaprod. Voilà, c'est cadeau, c'est pour lui. Je déconne, c'est ma chaîne.